Le nouveau code électoral et l'achat des partis politiques viennent d'être adoptés et seront promulgués. Donc désormais, pour prétendre être un parti politique au Bénin, il faut avoir 15 militants par commune comme membres fondateurs et participer régulièrement à toutes les élections. Adieu donc les partis politiques de trottoir ou de quartier. Loin d'être une charte qui exclut la jeunesse, au contraire, elle renforce les efforts inlassables de cette dernière pour une unité nationale mise à prix par certains politiciens de cette nation. L'opposition aujourd'hui désorganisée, désorientée, en perte de repères, dénudée de critiques constructives et objectives, doit pouvoir se mettre au travail et contribuer au développement de ce pays par des propositions concrètes au lieu d'utiliser l'arme de destruction, d'intoxication comme leur seul arsenal de participation à l'animation de la vie socio-politique. Face à ces lois salutaires, il faut reconnaître la limitation des candidatures fantaisistes dans une république sérieuse comme le Bénin. Le caractère national du député pour favoriser l'unité et la cohésion nationale. Le caractère national des partis politiques favorisant ainsi le financement public et contrôler les formations. Eu égard à tous ces avantages, le PDR, le PL, JUREM et LPA se montrent solidaires avec cette décision et dénonce avec vigueur les intoxications, les acharnements et le saupoudrage de manque d'honnêteté intellectuelle de certains compatriotes de nature à saboter l'image de notre cher pays que le président Patrice Talon vient de mettre sur les orbites en 2 ans de gestion. S'il est vrai que la question de la levée d'immunité parlementaire est une mesure prévue par la Constitution pour préserver les populations contre les velléités des autorités de ce pays qui se croient au-dessus de la loi et comme le stipule l'article 90 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 90. Chers militantes, militants et compatriotes, remercions le chef de l'État pour son audace en vue de l'effectivité de la création et l'installation de la CRIET, entendez cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La nouvelle proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin constitue une avancée significative dans la recherche des voies et moyens d'encadrement de l'exercice du droit de grève en République du Bénin sans porter atteinte de quelque manière que ce soit à la règle constitutionnelle de l'exercice du droit de grève. La durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d'une année, 7 jours au cours d'un même semestre et 2 jours au cours d'un même mois. Bravo aux députés. Bravo au président. Tout le monde au travail maintenant.